ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, tu as l'air très heureuse. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Bien. Ok. Alors? Devine. Tu sais que je suis pas forte aux devinettes. Juste essaye. Je ne dis rien du tout, alors dis quelque chose. Ok. Je vais compter 1, 2, 3. Voilà! C'est pas vrai. Il t'a proposé? Oui, il a fait ça. Et je dis un grand oui. Oh mon Dieu, c'est tellement merveilleux. Tu sais, Laila a de beaux yeux pour des choses. Hein? Mais bien sûr. Et il m'a eu. Il m'a vraiment eu. Félicitations, ma chérie. Merci. Tu es vraiment chanceuse. Tu es vraiment chanceuse. Je sais. Alors, où est-il? Ok, mon bébé est au travail. Tu es la meilleure fiancée de cette année. Oh, je le sais bien, je sais. Oh, je suis tellement excitée. Il suffit juste de regarder ma bague. Oh. Planifier le mariage. C'est ce que je veux faire. Tu sais quoi? Qu'est-ce que t'en dis si je partais prendre le champagne? Parce que là, nous devons célébrer. Oui, tu le mérites. Oh oui, toi-même, tu sais, on ne peut pas les laisser passer comme ça. Ah ben oui. On ne peut pas les laisser passer comme ça. Oh ma chérie, elle est tellement heureuse. Hey bébé, est-ce que tu dors déjà? Ok. As-tu déjà parlé à ton père à propos de l'engagement? Non. Non? Tu le fais quand? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Chérie, tu sais très bien que moi et lui, on n'a pas parlé, ça fait un moment. Tu n'es toujours pas en bon terme avec ton père. Pendant combien de temps allez-vous continuer à jouer ce jeu, vous deux? Jusqu'à ce qu'il va arrêter d'aimer les filles de mon âge. Je ne sais pas comment maman est en train de se sentir en les regardant à partir de sa tombe. Voir comment est-ce que mon père est devenu le sugar daddy d'Abuja. Génial. Cet homme doit faire le choix entre moi et ces inutiles de filles qui tournent autour de lui. Je n'ai pas besoin de l'informer pour mon mariage. Le mariage? Oui, mariage. Tu parles déjà du mariage? Je veux dire, on est censé parler de quoi? Tu as proposé. Quelle est la suite? J'ai fait une proposition, oui. Et nous devons nous marier. Bien sûr. Mais tu sais que nous devons prendre notre temps pour planifier. Prendre du temps, pourquoi? Pour... Bébé, calme-toi. Je ne vois pas la raison qu'on doit prendre du temps. Pourquoi nous devons attendre pour vivre ensemble? On sait déjà se gérer comme un couple. Alors pourquoi prendre du temps? Et on a de l'argent. Assez d'argent. Alors chérie, nous devons nous marier dès que possible. Alors, comme nous voulons nous marier, nous devons en parler maintenant. Trouver une date pour le mariage, c'est important. Ok, nous avons assez parlé. Et si on faisait peut-être autre chose? Alors, ouais. Qu'allons-nous faire? Et si tu fais de moi la femme la plus heureuse? Comment vas-tu l'aimer? Quoi? Tu veux que je te dise? T'es sûre que tu veux que je te dise? Allô? Oui, c'est Stéphanie à l'appareil. Oui, Steven. Je ne planifie pas le mariage. Je le faisais, mais plus maintenant.
Tu ne comprends pas et tu ne veux pas comprendre. Je ne suis vraiment, vraiment, vraiment pas intéressée à planifier un mariage. Tu peux m'appeler pour autre événement comme des anniversaires, baby shower, l'enterrement, disons, autre cérémonie, mais pas le mariage. Je suis impolie. Excuse-moi, tu peux pas me dire ce que je peux ou ne pas faire. Wow. Maintenant, qui est impoli? Une pauvre innocente veut se marier avec ses pauvres cons. N'importe quoi. Et apparemment, il nous reste que 2 mois pour le mariage. En d'autres termes, nous avons que 2 mois pour préparer le mariage le plus merveilleux du monde. Bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mon frère, 2 mois. Vraiment. Tu fais la course avec qui? Bien, je crois que tu dois essayer de reformuler cette question. Ah, mon cher. Qu'est-ce que tu préfères? Écoute, j'étais choqué quand j'avais entendu que tu as une fiancée. Mais, mon cher. Ok, écoute, nous savons que tout le monde veut qu'il soit avec Chief pour avoir l'argent afin de commencer quelque chose. C'est une belle fille. C'est une belle fille que tu peux prendre et épouser, mon cher. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ok. As-tu quelque chose d'autre à dire? Waouh. Je vois vraiment que tu aimes cette fille. J'aime Ichada beaucoup. Je ne peux pas attendre d'être ensemble pour toujours avec lui. Est-ce que tu connais ta relation avec sa fille? Non. Il ne le sait pas. Et même s'il le savait, écoute, mon père l'aime beaucoup. Comme tu es son employé, tu ne peux pas être son beau-fils. Penses-tu qu'il ne me voudra? Qu'il ne me voudra pas comme son beau-fils? Ne peux-tu pas le faire même pour mon père, s'il te plaît? Écoute, je t'ai appelé parce que j'aimerais que tu commences déjà le préparatif pour le mariage. Je veux que tu me proposes le plus meilleur plan du mariage de la vie. Je veux le meilleur. Mon ami, je sais que tu es le meilleur. Je sais que c'est ton domaine. Alors aide-moi à voir le plus meilleur plan du mariage de la ville. Oui, nous avons beaucoup à faire. Ok, je te laisse, je t'appelle plus tard. Ok, merci, bye. Oh. Ok. Mon cher, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que l'amour est une bonne chose. Et que tu dois essayer quelquefois. D'accord? Mon cher, tu as souffert. Qu'est-ce que tu viens de dire? Laisse-moi alors te dire ce qui est bon. La liberté. Sachant que tu ne dois à aucune personne la loyauté. Laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu sais ce que signifie la prise de définition? Hein? Réfléchis un peu. Perdre ton travail. Mon cher, lis sur mes lèvres. Moi, Henri, je ne pourrai jamais, alors jamais, tomber amoureux. Jamais. Acclame pour toi-même. C'est si terrible. Et voilà. Merci. Ah.
Connais-tu Stéphanie? Stéphanie? Oui. Non. Qui est-ce? Elle est planificatrice des événements et elle le fait très bien. Tu sais même l'anniversaire de la sénatrice qui venait de se faire ici à Abuja. C'est tel qu'il a planifié et puis je te rassure que c'était tellement joli. Bien, c'est pas mal. Mais je crois qu'il y a de meilleurs planificateurs ici à Lagos. Pourquoi tu parles comme si le lieu est un problème? Je veux dire, sache que tout le monde est prêt à voyager. C'est ce que les amis disent toujours. Sincèrement, je pense que ces planificateurs peuvent te faire tout ce que tu veux. D'ailleurs, pour que l'événement soit une réussite, on doit déjà tout réserver maintenant. Ok, alors appelons Stéphanie. Ok, pourquoi attendre? Oh, allô? Stéphanie Wiking à l'appareil. Bien sûr que je sais. Ok, alors, en quoi puis-je t'aider? Ah, tu dois planifier les plus grands mariages que tu n'as jamais fait à Lagos. Désolée, mais ces derniers temps, je n'organise pas de mariage. Passe une bonne journée. Oh, pourquoi tout le monde veut se marier? Oh, elle t'a raccroché au nez? Ok, elle a réellement fait. Non, mais elle est impolie. Vraiment impolie. Pourquoi elle a fait ça? Je ne sais pas. Elle n'a même pas écouté mon offre et elle m'a raccroché au nez. Elle pense que je suis qui? Elle pense que je suis l'une de ces fausses filles de Lagos qui ne peuvent pas payer 13 millions de naira. Tu fauchais à ce point? Ma belle, je suis Phoenix Richmond. Et avec moi, l'argent parle. Tu sais quoi? Rappelle-la et laisse-moi lui parler. J'ai lancé. Je dis que je veux pas... Dis-moi ton prix. Tu n'as pas compris. N'est-ce pas que 15 millions de naira? 15 millions de naira? Est-ce que tu peux faire une grande fête à ces prix? Bien sûr, je peux. Ok, mon mariage sera dans 2 mois ici à Lagos. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Oh, je dois voyager pour la ville. Ok, je vais t'envoyer un billet d'avion pour Lagos. Parce que nous avons beaucoup à planifier, alors beaucoup à faire. Je vais m'occuper de ton logement. Ah! Qu'est-ce qu'ils t'ont dit si je te rappelle plus tard afin que nous puissions très bien discuter? Ok, j'attendrai ton appel. Ok. 15 millions de naira. C'était pour l'argent. T'es vraiment prêt à la prendre en charge dans ces conditions? Bien sûr, je veux dire. Cette maison est plus grande pour ça. Cette maison. Celle-ci. Ok. Bébé. Oh chérie, j'allais déjà oublier. Oui. Je dois me rendre à l'aéroport pour prendre le planificateur aujourd'hui. Le planificateur? Je te l'avais pas dit. Oh chérie, c'est une très bonne organisatrice que j'avais contactée. Elle le fait très bien. Alors elle sera à Lagos aujourd'hui. Je pense que tu fais tout ceci à ta manière. Que veux-tu que je fasse? Parce que tu t'es décidé de ne pas prendre une pause au boulot. Prendre une pause au boulot? Alors que veux-tu que moi, là, je dise au boss? Premièrement, je me marie avec sa fille sans même son consentement. Bébé, ne penses-tu pas que nous avons besoin de la permission de ton père avant que nous procédions avec toutes ces préparations? Chérie, tu ne penses pas que tu es en retard pour le boulot? Ce n'est pas ça la réponse. Passe une bonne journée, mon chéri.
Tu dois partir. Je t'aime. Alors, je veux pas que tu sois en retard. Tu dois mais tu me gagnes partir. Toujours. Allez. Tu me gagnes toujours très souvent. Tu dois déjà partir. Et tu sais que je partir. N'arrive pas à tenir devant toi. Et arrive à ton chéri. Je t'aime. Je t'aime. Gros bisous. D'accord. Allô, Ahmed, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me rendes un service. Ma voiture a un problème. Écoute, je veux que tu partes à l'aéroport pour me récupérer quelqu'un. Quoi? T'es occupé? Oh, écoute, Ahmed, je m'en fous. Je t'envoie l'adresse maintenant et je veux que tu sois là. Allô Stéphanie? Salut! Tu es à l'aéroport? Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolée, mais ma voiture a un petit problème. Oui, et je suis un peu loin de l'aéroport. Ah, ok, peux-tu commander un taxi? Ou encore m'attendre dans un restaurant, commander un dîner ou quoi que ce soit? Oui, fais-moi juste un SMS et je viendrai vers toi. Ok, je suis vraiment désolée. Oui, juste attends-moi dans un restaurant dans le coin et tu peux commander tout ce que tu veux. Je viens régler les tout, ok? Je suis vraiment désolée. Ok, bye. Oui, c'est comme je te disais concernant cette affaire. Je sais que nous devons essayer de résoudre. Attends, je te rappelle après. Salut, la belle. On ne refuse pas la salutation d'une personne qui peut être draguée. Et si je refuse? T'es-je invité ici? Ou tu penses que je suis assise ici pour t'attendre? Bien, je vois ta valise, je vais te compris. Laisse-moi deviner. Tu pars à les gosses, voir ton homme. Maintenant, les types ne répondent pas à tes appels. Non, mais franchement. Bien. Je vis seul. J'en ai l'expérience. Oui. Oh non, 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 non. Je ne suis pas marié, non plus même en relation. Alors sois calme. Je peux le confirmer. Je veux dire, aucune femme de nos jours peut accepter un homme comme toi. Oh. Un homme comme moi? Bien, un homme comme moi, c'est un gentleman. Et s'il y a un problème, ça peut être toi. Je ne m'amuse pas. Bien, voici ma carte de visite. C'est ma carte de visite. J'ai dit que je m'appelle Henri. Ok, j'ai entendu. Peux-tu s'il te plaît m'excuser? Tu es belle. Belle. Tu es gentille. Bébé. Oh chérie, oh. Comment vas-tu? Tu m'as manqué, tu sais. Devine qui est là? Ça c'est Stéphanie, la planificatrice du mariage. Stéphanie, lui c'est mon cher fiancé Larry. Salut. Salut Stéphanie, bienvenue. Merci. Ok, laisse-moi te montrer ta chambre, comme ça tu vas te rafraîchir, ok? Bébé. Chambre. Oui, chérie, elle va rester ici. Phoenix, je pense que ça serait mieux que je reste dans un hôtel. Allez, Stéphanie. Nous avons déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Soit c'est à cause de mon bébé,
Allez, calme-toi. Écoute, je ne pense pas que ça cause un problème à mon bébé. N'est-ce pas, chérie? Non, absolument rien. Je te l'avais dit. Moi, tu es le meilleur. Fais comme chez toi, ok? Merci. Allons-y. Non. Ça ne peut pas arriver. Mais... Ce n'est pas une blague. Au moment où je te parle, je suis à Lagos, à la maison de Larry. Ça fait 4 ans maintenant que je rejetais tous les boulets qui étaient liés à l'amour. Au sort, à l'amour, au mariage et tout ce qui va avec. Et pour une fois, je me suis décidée d'accepter cette offre. Regarde ce qui m'arrive. Bébé, dis-moi, que dois-je faire? Non. Je ne peux pas planifier ce mariage, je ne peux pas. Même si on va me payer, je ne peux pas sacrifier mon cœur pour l'argent. Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas faire ça. $15 millions. Oh, Seigneur. Ça, c'est une blague. Ça, c'est une blague. Oh, mon Dieu. Larry, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas. Oh, juste, c'est quoi les problèmes? C'est quoi le problème? Oui. Le problème, c'est que toi, tu es venu avec une étrangère dans notre maison sans mon consentement. Voilà ce qu'est le problème. C'est le planificateur de notre mariage. Le planificateur de notre mariage, alors? Est-ce que ça fait d'elle notre amie? Je n'ai jamais entendu un planificateur de mariage vivre avec le couple. Jamais. Écoute, chérie, cette fille vient de très loin d'Abuja. Je vais juste être au contrôle de tout. Je vais savoir que l'argent suffit. Je vais savoir que toute chose est en place à chaque instant. Est-ce que tu peux t'entendre? Je n'arrive pas à te comprendre à cet instant. Écoute, je n'ai pas à me battre avec toi, s'il te plaît. Mais tu vas la mener dans une hôtel et tu vas la loger là-bas. Ou peut-être même que le mien serait qu'elle rentre d'où elle vient. Et nous allons peut-être trouver une autre qui vit ici à Lagos. C'est ça. Ça, c'est pas du tout juste. C'est vraiment pas juste. Écoute, je comprends ton point de vue. Je te comprends. Mais, s'il te plaît... Laisse-moi le faire à ma manière. S'il te plaît. Wow. À ta manière? Wow. Je pensais que c'était notre mariage. Je pensais que c'était notre affaire. C'est notre mariage. Chérie, wow. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Écoute, cette fille est juste là pour faire son travail. Une fois fini, elle va partir. Ok? Et demande-moi quoi? Si tu la permets de rester, je t'ai promis de parler à mon père à propos de ça. Tu le feras?
Tu peux pas faire ça, Stéphanie. Tu peux pas le faire. Comment ça peut être lui? Comment ça peut être Larry? Ce n'est qu'une petite chose. Et je peux lui suggérer beaucoup d'argent. Tu sais quoi, Stéphanie? Ne le fais pas seulement pour de l'argent. Fais-le aussi pour lui montrer que tu l'aimes toujours. Tu peux le faire. Ah ben oui. S'il te plaît, Stéphanie. Je veux parler avec toi. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne dis rien à Phoenix à propos de nous. S'il te plaît. Toi. On n'a rien à se dire pour le moment. D'ailleurs. Et voilà. Phoenix Richmond. Oui, c'est moi. Attends, ça c'est mon nom de famille. Bien sûr que si, sinon il me semble familier. Phoenix que tu vois ici, c'est la fille de Richmond. Elle est... Richmond Agwe, qui me comment fout. Oh oui, c'est son père. Donc, tu as la chance d'organiser de mariage et surtout d'un homme très riche. C'est ça? Ok. Ok, je veux commencer la préparation. Faire la réservation de la salle et je dois déjà chercher tout ce qu'il faut pour que ce jour-là se passe très bien. Tu sais quoi? Je crois à ton expertise. Juste fais ton travail et moi, je vais observer le reste. Très bien. Alors Phoenix, je crois que d'ici là on va déjà commencer avec les préparations pour que la célébration se passe très bien. Donc c'est un peu ça. Bon à rien. Irréconnaissant, menteur, idiot, tu n'as pas de cœur, toi. S'il te plaît, baisse-moi ta voix. Ne me parle pas de... Tu n'as pas vu ces insultes. Non, tu mérites tous les insultes de ce monde. Tu as vu ce que tu m'as fait? Tu veux te marier avec la fille du... Mais silence, silence! Mais je te fais qu'elle est sur les escaliers. Ça ne me regarde pas. Larry, tu y es un ingrat. Tu m'as utilisé et abusé pour avoir tout ce que tu as et tu veux maintenant épouser cette fille? Es-tu si aveugle pour ne pas remarquer que ce n'est pas le bon endroit ou le bon moment pour parler de cette conversation? Oh! Vraiment? Quel est le bon moment pour parler de cette conversation? Où est le bon endroit pour parler de cette conversation? Ayons alors cette conversation. Hein? Essaye de te mettre à ma place. Est-ce que ça allait finir comme ça? Si tu n'avais pas fait ce que tu avais fait. Je fais ce que je fais. Pour toi. Je fais ce que je fais parce que je t'aimais. Comment peux-tu l'utiliser contre moi? Je t'aimais, Stéphanie. Et c'est pourquoi tu m'as le plus blessée. À cause de ce que tu avais fait.
que j'en ai aussi pris ma part. J'avais fait ce que j'avais fait. Et tu dois faire avec ça. Tu as fait ce que tu avais à faire. Oui, la couleur c'est bleue. C'est ça, ta couleur préférée, hein? Oui, le bleu. Est-ce que tout va bien? Je vous ai entendu crier. Oh, désolé, nous sommes juste en train de discuter à propos du mariage. Le mariage? Et particulièrement le couleur. Oui. Ok, là c'est très bien. Dans ce cas, je vous laisse d'accord, discuter bébé. Alors. Ok, ok, chérie, je serai en haut. Oui, j'arrive. Je te hais. Sometimes the past has a way of catching up with you. Quelle malédiction. Ok, rends-moi assez. Alors, ok. Oui. Celle-ci, c'est qui que je vois ici? S'il te plaît, je te rappelle plus tard. Mon cher, c'est ça le plan auquel que tu m'as parlé? Waouh! T'es en train de m'insulter? Ah ah! Plus comme nous avons une destinée de rester ensemble. Vous êtes des amis? C'est pas étonnant. Oh, mon cher, tu sais quoi? Je ne t'avais pas dit que je m'étais rencontré avec elle. Devine quoi? Elle était furieuse. Attends, c'est la fille qui organise ton mariage? Si tu veux que ton mariage réussisse, cherche une autre personne, pas elle. Voyons, mon cher, oublie un peu à propos de son attitude, ok? Elle est en tout cas très très bonne dans ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, elle a toujours été une bonne fille. Ta façon de parler, c'est comme si tu la connaissais. Ah oui, elle est mon ex. Nous étions si proches à nous marier. Depuis quand? Veux-tu quelque chose à boire ou quoi que ce soit? Tout ce que tu as, mon cher. Est-ce que tu as quelque chose de fraîche là? D'accord. Attends-moi un tout petit peu. Et nous nous sommes encore rencontrés. Une belle fille qui se tient sous soleil accablant. Hein? Mais peux-tu juste arrêter de faire comme si tu me connais? Parce que tu ne me connais pas. Je crois, je connais ton nom. Tu t'appelles Stéphanie. Bien, moi je m'en vais. Est-ce que je peux... Merci, tu peux partir. Oui? Qu'est-ce que cela veut dire que tu ne peux pas arriver? Je pensais que tu avais dit que tu en as pour 5 minutes. Tiens! Ça, j'aimais. Je crois que... Attends. J'ai pensé que tu voulais me déposer. Mais je pensais que tu avais refusé. Tu pensais quoi? Que je vais me tenir debout sous ce soleil comme un poulet rôti? Oh, s'il te plaît. Belle fille!
Alors, Larry m'avait dit que tu es son ex. Ah, il te l'a dit? Oui, il m'avait dit que vous étiez d'ailleurs prêt à vous marier. Et il continue encore d'en parler. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il ne te l'a pas dit? Non, il avait refusé. Mmh. Mmh. Est-ce que tu es bien? Tu sais, je ne peux pas continuer avec ces plans de mariage. Oui, je suis sûr que tu ne savais pas que Larry avait une femme. Maintenant, tu ne veux pas décevoir Félix. Mais tu peux abandonner l'organisation de cet événement. Ils vont en trouver une autre organisatrice. Tu sais que c'est facile d'en trouver une ici à Lagos. Je finis avec Larry et je me sens très à l'aise pour le faire. S'il te plaît, peux-tu te concentrer à conduire? Oh, désolé. Merci. Bienvenue, monsieur. Merci, messieurs. Bienvenue, ma belle. Merci de me ramener. Je t'en prie. Tu peux m'appeler tout le temps que tu as besoin de quelque chose. Je serai disponible. C'était la blague. J'ai oublié de rire. Est-ce que tu cherches quelque chose? Oui, mon téléphone. Je n'arrive pas à le trouver. Oh. Tu sais quoi? Est-ce que je peux appeler mon numéro par ton téléphone? Oui, bien sûr. Hein? J'ai ton numéro. C'est ça mon souci. Tu peux m'appeler tout le temps si tu as besoin de causer avec moi. Alors, Stéphanie, dis-nous, tu viendras avec quelqu'un dans mon mariage? Allez, je veux dire, nous sommes maintenant des amis, alors tu peux inviter ton petit ami. Oh, tu n'as pas un homme? Allez, toi aussi, comment il peut manquer un homme? As-tu déjà vu une belle fille comme Stéphanie manquer un homme? Excepté les hommes aveugles. Bien, il ne sera pas là, parce que je suis seule. Depuis quand? 4 ans maintenant. 4 ans? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ta dernière relation? J'ai été larguée. Larguée? Larguée? Stéphanie, toi larguée. Par qui? Par un largueur, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est arrivé réellement? J'avais commis l'erreur de
pouvoir lui supporter et puis lui donner tout ce qu'il voulait. Et j'avais fait ce que tout le monde ne pouvait pas imaginer. Je lui ai donné une vie meilleure. Or, dès qu'il avait eu cette vie meilleure, il s'est envolé. Oh merde, les hommes sont toujours des escrocs. Vous avez raison. M'acceptez, mon bébé ici. Mon bébé sucré. Tu ne changeras jamais. Tu n'as pas remarqué quelque chose d'étrange? Quelque chose comme? Une étrange énergie entre Stéphanie et Larry? Bien sûr que c'est une énergie étrangère. D'ailleurs, ils sont des étrangers. Vraiment? Oui. Tu ne les comprends pas. Tu ne les comprends pas toujours. Mais il n'y a rien à voir. Écoute, peu importe. N'oublie pas d'appeler les garçons d'honneur, s'il te plaît. Tu sais, ils doivent apprendre ensemble avec les filles, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, n'oublie pas. Je ne peux pas. Allez, vas-y. Allez. Quitte devant mes yeux. Allez. Au revoir. Je t'appelle plus tard. On s'appelle. Bye. Ok. Fais attention. Stéphanie, salut. Je sais que je suis revenue tôt à la maison, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Stéphanie n'est pas à la maison, elle est allée au shop de ton frère. Oh oui, je suis au courant, elle me l'avait dit. Ok, très bien. Je suis venue te voir. Je veux m'excuser par rapport à tout ce qui s'est passé. Je n'étais pas larguée, Stéphanie. J'avais perdu mon estime comme un homme. J'ai pensé que j'allais être séparé à toi pour toujours. Et quelque part dans mon subconscient, quelque chose me disait que j'avais très mal fait. Et donc tu m'as bloqué dans toutes les plateformes. Tu m'as bloqué dans toutes les plateformes sans même me donner des explications pour venir épouser la fille du chief. Un opportuniste, c'est ce que tu es là. Ce n'est même pas comme ça. Je suis désolé. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, s'il te plaît. Oh, tu as besoin de mon pardon? Parce que je me suis retrouvée dans ta maison? Hein? Tu me manques, Stéphanie. Je ne réalisais pas à quel point tu me manquais. Jusqu'à ce que je te voie à nouveau. 4 ans de ma vie avec toi. C'était du gâchis. Un regret total. Ne dis pas ça. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de mon pardon, Larry. Après m'avoir abandonné comme ça. Stéphanie, attends. Je suis désolé.
pas pourquoi Stéphanie n'est pas venue dîner avec nous. Peut-être qu'elle fait reposer sa tête. Ou peut-être qu'elle n'est pas encore d'humeur. Et pourquoi tu ne manges pas? Je mange maintenant. Pourquoi tu es là? Je ne sais pas. Et ta femme? Venise est en train de dormir. Stéphanie, je ne suis plus moi. Depuis cet après-midi. Je l'ai remarqué. Et dans ces cas, il est vraiment nécessaire d'être à côté de ta femme. Non, non, ne dis pas ça. Ça fait revenir mes pensées. Mes pensées pour toi et moi. Il est temps maintenant de partager ce que nous ressentons tous. Tu me manques, Stéphanie. Je nous manque. Ah, salut Henri. Salut Stéphanie. Tu sais, je pressentais que tu avais l'envie de me dire quelque chose. Vu que tu es une fille, tu n'as pas eu le courage. Mais en tant que gentleman que je suis, j'ai décidé de le faire. Dis-moi, est-ce que nous pouvons nous rencontrer demain? Bien. Demain, je ne pense pas que j'aurai beaucoup à faire. Alors, envoie-moi alors l'adresse. Ça va. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, vous sortez ensemble avec Henri? Pourquoi? Je peux pas. Bonne nuit, Larry. Ta femme est en train de t'attendre. Point de correction, ma fiancée. C'est la même chose. Et je l'aime aussi. On peut le voir. Énormément. Mais c'est sûr. Bébé, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas une bonne humeur, je l'ai remarqué. Bébé. Qu'est-ce que tu voulais dire? Quand tu as dit quelque chose à propos de l'énergie étrangère l'autre jour. D'accord, alors
Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange entre Larry et cette organisatrice? Je ne suis pas sûre, mais... Je pense que... non, je risque de les accuser pour rien, tu vois. Bien sûr que si tu dois. Moi, je peux facilement les sentir, tu sais. Oublie ça, oublions ça. Oublions. Ne penses-tu pas que si Stéphanie s'approche de Henri et Henri le fait en retour? Non, attends, dis-moi un peu. Ne penses-tu pas qu'on exagère un peu à propos d'eux? Oui. Ok. Mais quoi? Tu t'es mariée? Oui, papa. Et dans 5 semaines. Je n'arrive pas à comprendre. Quand est-ce que tu m'as amené un homme à la maison? Papa, je pensais que tu étais très occupé avec ta relation là. Je vais agir comme si je ne connais pas ce que j'ai raté. Alors, qui est cet homme dont tu parles? C'est quelqu'un que tu connais. Larry. Larry? Mais quel Larry? Celui qui travaille à mon extension de Lagos? Oui, papa. Ça ne peut pas marcher. Impossible. Papa? Est-ce que tu as dit impossible? Oui, impossible, impossible, impossible. Tu m'as bien entendu. Papa? Tu ne dis rien, Larry. Pourquoi tu ne dis rien? Que veux-tu que je dise? Dis quelque chose. Je t'avais déjà dit que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'était lui qui t'avait engagé et t'avait envoyé dans une extension de Lagos. N'est-ce pas que tu l'as déjà rencontré? Je ne l'ai pas. Alors, comment as-tu trouvé ce boulot? Comment as-tu trouvé ce boulot si tu n'as jamais rencontré mon père? Écoute, Larry, tout ce que vous avez comme problème avec mon père, je te supplie de le réparer parce que j'ai beaucoup dépensé pour ces mariages. J'ai tellement dépensé que je ne vais pas te laisser le ruiner. Tu ne vas pas me le ruiner, Larry. Oh, Larry, 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 vas-y, pense. Bien, Chief ne me veut pas comme son beau-fils. Une triste surprise. Félix? Elle agit froidement et je ne sais même pas comment faire. Si elle agit froidement, mais dans ces cas-là, tu peux y avancer avec la deuxième. Bien. Deux fois, je me demande si tu es mon ami ou bien quelqu'un d'autre. Je suis toujours le même ami que tu connais. Hein? mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi Chief ne veut pas que tu épouses sa fille. Et ça se voit clairement, tu es le meilleur dans la société. Le meilleur type pour ses successeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le meilleur type pour ses successeurs? Oui. Alors? Je suis troublé. Je suis si proche de partir d'ici. Je le savais. Je le savais. Tu n'étais pas amoureux. Je suis amoureux. Je suis dans cet amour. J'aime Phoenix. Tu sais que souvent, je me suis toujours esquivé de votre amour. Alors, ça, c'est la seconde chance. Cette fille, vraiment, t'aime.
comme vraiment, vraiment, elle t'aime. Avec les raisons pour commettre tout ceci. Et mon cher, ce serait mal vu si tu abandonnes. Tu le sais, non? Et regarde maintenant qui est le docteur Amour. Cette fille est amoureuse de toi et puis c'est quoi? Tu sais, je crois que la fête est en train de se préparer. Mmh. Je dirais de la manière dont il m'a demandé, je crois que ce sera pour bientôt. Mmh. Je ne peux attendre. Je ne peux pas attendre. Phoenix, tu vas bien? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ok. C'est quoi le problème? Mon père ne veut pas approuver pour Larry et moi. Attends, quoi? Ton père ne l'aime pas? Pourquoi? C'est ça. C'est ça le problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas approuver entre moi et Larry. Mais tu sais quoi? Je m'en fous. Je m'en fous qu'il approuve ou non. C'est la même chose comme moi aussi. Je n'approuve pas sa relation avec cette fille-là au Nigeria. Mais je pressens comme si Larry me cache quelque chose. Que penses-tu vraiment? Quelque chose lié à son travail à la compagnie. Je veux dire, c'est la seule chose qui les réunit tous les deux. Je pense que tu sais, tu dois parler à Larry. Je l'ai déjà demandé à propos de ça, mais il ne dit rien du tout. Peux-tu imaginer qu'il a dit à moi qu'il n'a jamais rencontré mon père avant? Donc, la personne qu'il a employée, il me dit qu'il n'a jamais rencontré mon père avant. Okay. Peux-tu imaginer? Qui sait? Peut-être qu'il dit la vérité. Je pense que tu dois parler à ton homme. Stéphanie a raison, chérie. Tu dois juste te calmer. Cette mère n'est pas vraiment bonne. Calme-toi, tu dois juste te calmer. Tout ira bien, s'il te plaît, calme-toi. Comment ils n'ont jamais eu le temps de discuter à propos de ces mariages avant? Je suis fatiguée. Mais qu'est-ce qu'il tu y a? Tu dois le faire. Mais que veux-tu dire non, par ça? Non, 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 je dis ce que je devais dire. Je l'ai déjà mais dit. Mais non, ce n'est pas ça suffit. Quand même. Tu ne peux pas faire arrêter le mariage juste à cause de ça. Vraiment, Stéphanie? Je te demande d'arrêter tous les préparatifs de ce mariage. Bébé, tu dois juste te calmer. Stéphanie, ne l'écoute pas. Et s'il te plaît, essaye de lui parler. Oh, bébé, ma chérie, non. Qui te paye? Tu dois suivre ce que je te dis. Bébé, calme-toi, je t'en supplie, calme-toi. On doit d'abord sortir dehors, calme-toi, je t'en supplie, calme-toi. Allons-y. Tu es tellement honte parce qu'il n'y a aucune manière que Stéphanie ne sache pas que je suis ton ex. Parce que nous allons maintenant revenir en arrière. Et c'est pourquoi tu devais rejeter ce boulot quand tu avais découvert que c'est moi qui étais le pot. Tu ne comprends pas. Comprendre quoi? Ça n'a rien à voir le fait que c'est moi qui organise ton mariage. Chief Richmond ne sait même pas que tu es impliqué dans cette histoire. C'est toi-même qui es en train de ruiner ton mariage. Sa tristesse royale, antagoniste, de mauvais cœur, trouve quelque chose qui te va. Tu sais, je devais être contente. Je ne sais même pas pourquoi je ne le suis pas. Je t'ai blessée dans le passé. Et j'avais l'habitude de t'haïr deux fois. Et tu me manquais aussi beaucoup. Et bien sûr,
Ça devait être un objet de joie de voir que ton engagement a été détruit juste un mois avant ton mariage. Juste comme tu l'as fait avec moi. Mais dans ce cas, mon cher, tout est différent pour moi. Je te souhaite tous les bonheurs, Larry. Et j'espère que ton mariage marchera cette fois. Stéphanie, tu me manques aussi. Et au plus profond de moi, il y a cette partie de mon cœur qui t'aime encore. Tu es la seule personne qui puisse m'aider maintenant. T'aider? Oui. Tu gardes le numéro du chef Richemont, n'est-ce pas? Essaye de m'aider, appelle-le, parle-lui, c'est tout ce que je demande. Wow! Larry, tu es vraiment incroyable. Quoi? Quoi? D'accord, c'est bien. Essaie juste de le parler, d'accord? Dis-lui, s'il te plaît, de ne pas dire à Phoenix tout ce que j'ai traversé pendant mon passé. Dis-lui d'approuver notre mariage, c'est tout. Je vais même te payer s'il le faut. Tu es trop amusant. Tu vas me payer? Vas-y, Stéphanie, donne-moi ton prix. 1 million, 2 millions, je payerai. Tu veux m'utiliser pour avoir ce que tu veux, c'est ça? Larry, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? D'accord. Je suis désolé. Mais je pensais que je t'avais dit que je m'avais pardonné. Voyons, c'est moi. Jamais de la vie, je ne pourrai plus jamais faire quelque chose en ta faveur. Jamais. Non-sens. Merde. C'est une merde. Félix, il n'y a aucun problème qui n'a jamais manqué de solution. Alors, peu importe le problème, je pense qu'on peut trouver une solution sans pour autant annuler le mariage. Si Larry ne me dit pas lui-même qu'est-ce qui se passe entre lui et mon père, je ne vais pas continuer avec ce mariage. Je vais juste lui mettre hors de ma maison. Stéphanie, mais où vas-tu comme ça avec ta valise? Je suis désolée, mais je ne peux pas le faire. Voici ton chèque. J'accepte de perdre. Tu acceptes de perdre? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire, tu étais là pour planifier mon mariage. Où est-ce que tu penses que je peux trouver une organisatrice en si peu de temps qu'il nous reste? Où ça? Ce n'était pas le seul mariage que je planifiais. Et qui encore? Ok, je comprends que Larry et moi avions eu une discussion. Mais Stéphanie, ce n'est qu'une discussion et ça finira par passer, tu sais. On trouvera une solution, tout va rentrer dans l'ordre et mon mariage aura lieu. C'est plus compliqué que tu ne le penses, Phoenix. Ce n'est qu'une erreur. Je suis vraiment désolée. Ok? Stéphanie, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, mais je ne comprends pas. Que veux-tu que je fasse en ce moment? Je suis vraiment désolée. Non, je n'accepterai tes excuses que lorsque tu finiras avec mon mariage. Qu'est-ce que tu penses?
Allô, ma chérie. S'il te plaît, peux-tu venir dans ma maison maintenant, là? S'il te plaît, viens, parce que là, je commence à devenir folle. Je vais devenir folle. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu sais, c'est un peu très tôt de revenir en arrière. Si tu m'es demandé. Oui, je sais. Je pouvais juste aller au restaurant. Je veux dire, ça c'est le dîner. Écoute, tu ne comprends pas. Tu sais pourquoi j'ai travaillé durant toutes les 4 années passées. Tant j'ai mis mon sang, mes larmes, ma sueur est en train de s'écouler. Et la chose la plus forte, c'est qu'il n'y a rien que je puisse faire à propos de ça. Rien. Et ça me rend malade. Phoenix? Ok. Écoute, Larry? Pourquoi ne pars-tu pas à Abuja? Va à Abuja et rencontre le chief. Parle-lui d'homme en homme. Comme il arrive à respecter de capacité dans le travail, il pourra aussi te respecter pour qu'il accepte que tu épouses sa fille. C'est ça même le problème. Ce n'est pas aussi simple. Tu ne me comprends pas. Ce n'est pas aussi simple. Ce ne l'est pas. Pourquoi pas? D'accord. Tu ne vas pas comprendre. Je suis vraiment désolée. Je me suis ressaisie. Ce qui est plus important est que le mariage s'efface. Et selon tout ce que je planifiais, Larry ne doit pas savoir à propos de ça. Je le ferai. Je promets. Et toi, ne me refais plus jamais ce genre de choses, s'il te plaît. En tout cas, ne vous inquiétez plus. C'est vous qui allez planifier mon mariage, personne d'autre. Et laisse-moi vous assurer que tout sera mieux. Essaye d'être forte. Comment? Dis-moi comment je vais faire pour être forte. Dis-moi. Tu sais comment je me suis investie moi-même, mon argent, j'ai tout investi. Tu sais comment j'ai tout investi pour cette relation. Dis-moi, pourquoi maintenant toutes ces complications? Dis-moi, pourquoi? Pourquoi? Peut-être que c'est le moment que tu ailles voir ton père. Il est temps. Tu dois le voir. Peut-être qu'il pourra changer la décision dès qu'il te verra. Tu dois le faire. Ok. Alors, essaie juste d'être forte. Je crois que tout ira bien. S'il te plaît, tu dois te calmer. Je t'en supplie. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Oui, j'arrive. Salut bébé. Mais au moins réponds à ma salutation, non? Bébé, je fais notre plat favori pour le dîner. Pas de réponse? Mon cher, ça peut être comme si tu as fait quelque chose de très très grave qu'on ne peut pardonner. Qu'est-ce que je peux faire? Bébé, s'il te plaît, essaie de m'écouter, ok?
Nous avons bâti quelque chose de trop bon ensemble. Essayons de ne pas la gâcher juste à cause d'un événement d'incompréhension. S'il te plaît. Je cherche seulement à comprendre. Essaye de me faire comprendre. C'est ça le problème, bébé. Il n'y a rien à comprendre. Quelqu'un a parlé avec ton père. Et j'ai dû obtenir ce boulot. C'est ça, rien de plus. Attends, bébé, s'il te plaît, attends. Ok, alors. Ok, d'accord, c'est bien alors. J'irai parler à ton père pendant le week-end. Juste question de te prouver que tout va bien. Non. Ne pars pas vers mon père. Phoenix, s'il te plaît. J'irai lui voir. Sometimes it comes like a blast. A blast from the past. Just when you thought you left it all behind you. But then the past comes calling, catching up with you, catching up with you. Would you believe it if you were told that your past will catch up with you? Scheming and scamming, you thought you'll get away with it. After the planning and plotting, you thought you've gotten away with it. Well, as it goes, if you commit the crime, you will do the time. It's just a matter of time, and you will pay for your crime. Allô? Papa, je viens te voir à Abuja. Si seulement c'est à cause de cet imbécile de garçon et que votre mariage de rêve arrive bientôt, tu ferais mieux de l'oublier. Papa, c'est important, s'il te plaît. C'est ma vie. Écoute, ma fille, je vais bientôt retrouver un jeune homme très, très décent pour toi. Si le mariage est vraiment ce que tu désires. Papa, tu ne m'as même pas écouté. Oui, je t'écoute. Regarde un peu ça. Je l'avais fait pour un de mes clients comme ça. Waouh! Ce sont les différents plans de mariage. Waouh! Mais c'est super! Je pense que tu dois voir ça. C'est vraiment très joli. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui, et ça a l'air très joli. C'est ce qu'on peut prendre. Ah, Stéphanie, tu sais quoi? Si tu auras encore besoin d'argent pour ça, s'il te plaît, laisse-moi savoir, ok? Je pense... Tu sais quoi? C'est fait. Nous allons faire ça. Vraiment? Nous allons faire ça. Bébé, s'il te plaît, permets-moi de voir un peu plus mieux. En tout cas. Ah, chérie? Ne conteste pas. Ne conteste pas. Chérie. Tu sais, chérie, j'étais en train de chercher une salle qui est plus meilleure que toutes les salles ici à Lagos. Je pense que je l'ai trouvée. Alors? Alors, oui? Oui. Sérieux? Stéphanie, tu as un appel. Oh. C'est Henri. Excusez-moi, je vais les prendre dans ma chambre. Bien sûr, bien sûr.
Tu vas l'adorer. C'est bien quand on l'a mis comme ça, mais je pense qu'il s'en est de trop, tu vois. Je pense que le problème, c'est au niveau de la couleur. Si on peut... Sinon, nous devons choisir un nouveau décor. Henri. Oh, mon cher. Hey. Ah. Tu es là? Oui. Ah, personne ne m'avait dit que tu venais? Je ne t'ai pas obligé de te dire que je venais ici chez toi. De toutes les façons, je ne suis pas venu pour toi. Au fait, Henri va m'accompagner pour quelques courses de la réception. Et nous terminerons notre course au bar, afin de prendre un verre. Prendre la bière. Ton souhait. Ton souhait. Tu sais, celui-ci, je trouve que c'est exagéré. Sanctuaire, vraiment. Mais oui, tu l'as dit, c'est le meilleur. Phoenix, où est Stéphanie? Regarde un peu l'heure qu'il est. Je suis sûre qu'il est avec Henri. Mais attends, Stéphanie est une adulte. Et Henri est une personne à qui il faut faire confiance avec les femmes? Pourquoi tu en fais un problème? Je ne comprends pas. Et Stéphanie est mon invitée. Mais elle est aussi mon invitée. Elle vit sous ses toits, et ce qui veut dire qu'elle est aussi sous ma responsabilité. D'accord? Et en parlant déjà, si tu l'avais logé à l'hôtel comme je l'avais demandé l'autre fois, mais peut-être que son absence n'allait rien signifier à mes yeux. Chérie, Stéphanie est ici il y a quelques semaines maintenant. Mm-hmm. Ok? Et j'espère qu'on y est arrivé. Oh! Je le savais, vraiment, c'est vrai, la vie c'est bien. Vraiment cool. Très formidable. C'est terrible. Salut. Ne t'inquiète pas, donne-moi ça. Ok. Oui, c'est bon. Pardon, prends soin de toi, ok? Oui. S'il te plaît, comme ça, comme ça. Vraiment, la soirée était formidable. Oh! Mais ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Aussi, honnêtement, tu as raison. Cette fille est très belle. Écoute-moi très bien, Henri. Reste très loin d'elle. D'accord? J'ai... Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce qu'elle est ton ex. Non, non. Tu continues à aimer cette fille? Non. Et même si elle pouvait être avec une autre personne, ça ne serait jamais toi. Tu prouves maintenant que tu es toujours avec elle. Tu vois, c'est toi qui peux être loin de cette fille. Ne me dis pas, inutile. Est-ce que je l'ai maltraitée? Oui. Est-ce que je l'ai blessée? Oui. Tu es juste comme moi et c'est pourquoi tu es mon ami. Et peut-être même plus pire que moi, tu ne crois jamais en l'amour. Je ne peux être jamais comme toi. Attends, tu élèves ta voix sur moi? Après avoir résolu le problème que tu avais, Félix. De toute façon, ça c'est niqué la première sortie. Je vais attendre la deuxième dans 3 jours. Et je vais voir ce qui va arriver. Alors, je vais dans ma chambre pour me reposer.
es-tu venue dans la chambre de Stéphanie? J'étais juste venue jeter un œil sur elle. Pourquoi? Tu sais qu'elle vient de revenir de la maison ivre. Et je m'étais dit de jeter un œil sur elle. Est-ce que tu veux me dire que ça t'inquiétait? Que je ne sois pas là? Oui, je voulais savoir où se trouve mon mari. Je te juste ici. Pouvons-nous rentrer dans la chambre? D'accord. Tu sais que c'est vraiment amusant. Comment quelqu'un qui fête son mariage, or le mariage reste encore derrière. Oui, tu verras une belle personne qui planifie un bon mariage. Laisse-moi voir. Et le mariage se voit très beau par rapport à la personne. Vraiment? Bonjour, papa. Bon après-midi, Chief. J'avais appris que tu vivais déjà dans la même maison que ma fille. L'âge que tu es. Stéphanie, tu es là aussi. Merveilleux. Stéphanie, alors c'était ça ton plan depuis toujours, hein? Toi et ton frère voulaient voir ce que vous n'avez jamais vu. L'avoir imposé d'avoir un poste qui ne mérite pas dans mon entreprise ne suffisait pas pour toi. Et maintenant, tu veux faire de lui, mon beau-fils, une autre place qu'il ne mérite pas. Chef, nous ne sommes pas frères et sœurs. Larry est mon ex. Stéphanie, mon père est conscient de tout ce que tu nous as avoué. Alors tout. Tu as juste dit que Larry, c'est ton ex? Cet ex qui est juste en train de préparer son mariage? Quand est-ce que tu vas dire quelque chose? Parle! Tu sais, il y a quelque chose en toi que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas toujours à la détecter. Tu as toujours dit que tu es innocente, alors que ce n'est pas vraiment ça. Laisse-la parler, s'il te plaît, Véro. Je vais l'entendre parler. Larry et moi, on a fait 3 ans ensemble. Juste après 1 an, il avait perdu son boulot. Il n'était plus capable de payer son loyer, alors il est venu habiter chez moi. C'était moi qui s'occupais de ses besoins pendant plus de 10 ans. Et puis, tout ce que je gagnais de mes affaires, jusqu'à ce que un jour, je revenais d'une fête que j'avais planifiée. C'est dans cette soirée que j'ai rencontré Chief Richmond. Chérie, bébé, je suis là. Ah.
J'arrive. Bébé, bon retour, comment vas-tu? Oui, ça va, juste fatiguée. Oui, je vois, tu as l'air fatiguée. Alors dis-moi, comment ça s'est passé? C'était un succès. Fallait voir les grands hommes qui étaient là. Mmh. L'un d'eux m'a même donné sa carte de visite. Je ne pouvais pas quand même refuser. Ok, alors qui est-il? Il a dit qu'il était Chief Richmond. Est-ce que je peux voir sa carte de visite? Attends. Tu les connais? Ne le connais-tu pas? Il est certainement un homme d'affaires très très connu. Oh, vraiment? Oui. Je ne le connais pas. Je ne suis pas sûre qu'il est très connu. Je peux voir que tu as préparé quelque chose à manger. Alors, laisse-moi aller me rafraîchir, puis j'arrive. Oh oui, oui. Merci. Mon amour, laisse-moi t'aider. Merci. Tu sais que tu travailles très dur, n'est-ce pas? Et tu sais, deux fois je souhaite que j'arrive à très bien prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu trouveras un boulot, ok? Oui, mais nous avons vraiment une opportunité en or, tu sais. Et je crois que nous devons profiter de ça. Une bonne opportunité. Oui. La carte de visite. Elle est appelée carte de visite pour une cause. Et rappelle-toi de ce que je t'avais dit à propos de Chief Richmond. Tu sais, il est un homme riche. Un homme d'affaires mieux connu. Il a différentes entreprises dans différents états de notre pays. Où veux-tu en venir? Tu sais, tu peux m'aider, tu vois? Tu peux aller lui parler pour qu'il me trouve un boulot. Ne vois-tu pas? Je... D'accord, c'est bon. Il t'a donné sa carte de visite, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors tu peux l'appeler. Tu sais, tu peux le prendre, tu le rends confortable, et après... Que tu fasses ta demande. Il ne pourra pas dire non. Hmm? Je t'aime. Je t'aime aussi. Qu'est-ce que tu portes? Est-ce que tu vas à l'église? Essaie de mettre autre chose, nom de Dieu. Essaie un peu de t'habiller de manière sexy. Essaie un peu de montrer toutes tes courbes. Oh, comme ça, tu as l'air d'une personne qui va apprendre du mercredi. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu portes? Bébé, j'ai dit quelque chose de sexy. D'accord? Tu as maintenant l'air d'une personne qui voyage pour la Russie. Je n'ai pas dit de mettre de lin. Voyons. Larry?
Je m'en vais rencontrer un homme, s'il te plaît. Un vieil homme qui pense que tu es sa proie. Je n'ai pas du tout de sentiments à propos mais de moi, ça. Mais moi, bien sûr. Bien sûr. Écoute-moi d'abord, Stéphanie. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Et le moment pour nous de se marier est déjà arrivé. Je pensais qu'en ce moment, nous serions financièrement déjà stables. Mais regarde-moi, je continue à être sans boulot. Ok? Celle-ci est notre chance. Et s'il te plaît, ne sois pas si stupide pour la perdre. D'accord? Alors, peux-tu rentrer maintenant là-bas et essayer de mettre quelque chose de sexy pour moi? S'il te plaît, fais-le pour moi. Ok. C'est bien pour nous. Oui. Il t'a donné tout cet argent en remerciement pour être venu? Je t'avais dit que c'était notre chance de la vie. Je te l'avais dit. Waouh! Écoute, tout ce que nous devons faire maintenant, c'est essayer d'élaborer des plans. Élaborer des plans, pourquoi? Oh mon Dieu! Bébé, tu continues à me poser cette question? Mais bébé, nous ne venons que de commencer avec cet homme. Je ne te comprends pas. D'accord. Regarde un peu toutes ces sommes qu'il t'a données. Plus que ce que nous étions en train de chercher. Alors? C'est beaucoup. Nous avons eu plus. Larry, je ne sais pas de quoi tu parles. Stéphanie, bébé, attends. Écoute, tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu arrives à très bien comprendre, ok? Ne vois-tu pas combien d'argent nous pouvons gagner grâce à cet homme? Beaucoup d'argent pour changer nos vies. Pour le mieux. Tu sais de dire que nous devons créer un contrat pour aller lui présenter? C'est exactement ce à quoi je pense. Nous pouvons créer une affaire. Nous pouvons créer un contrat. Comment? Bébé, c'est juste de me les laisser. Accorde-moi un peu de temps, ok? Quoi? Tu veux que je puisse le faire avec cet homme? Lui prendre de l'argent pour nous? Disons, tu veux finalement que je couche avec lui? Larry! Donc, c'est ça le bon plan du business que tu as trouvé à faire? Non. Bébé, je n'ai pas dit que tu devais sortir avec lui. D'accord? C'est juste un coup. D'accord? Pas de relation, pas de sexe, rien d'autre. C'est juste, il suffit que tu sois là, tu restes là et qu'il fasse des choses. C'est tout. Écoute, bébé, c'est ça même l'affaire, ok? Tu vas juste prendre une vidéo en train de faire le sexe avec lui, ok? Et après ça, tu sais ce qui suit, d'accord? Nous n'allons même pas essayer de le faire chanter pour qu'il nous donne beaucoup d'argent. Tu lui diras juste que il suffit juste que tu trouves du boulot pour ton frère. Oui. Larry, tu y es malade. Tu es vraiment stupide pour me demander, moi Stéphanie, d'ouvrir mes jambes pour un homme à cause d'argent. Mais tu m'as toujours totalement ouvert tes jambes, gratuitement. Comment oses-tu, Larry? Stéphanie? Désolé, je ne voulais pas le dire comme ça. Hein? Je suis désolé, ok? Je suis désolé. Mon Dieu, tu allais me tuer. D'accord, Stéphanie, aide-moi. Essaie juste de m'aider. Hein? Tu es la seule qui puisse m'aider. Tu sais depuis quand est-ce que je cherche un boulot?
J'ai quand même essayé de trouver légalement un boulot. Je n'ai pas pu trouver. J'ai même appris comment essayer de faire de Yahoo. Ça n'a pas marché. Hein? Les hommes comme Richemont ont beaucoup d'argent. Mais ils peuvent tout donner pour avoir de filles. Jusque même à prendre soin de leurs hommes. Je suis ton fiancé. Ton corps m'appartient et mon corps t'appartient aussi bien. Mais je t'accorde la permission pour que le... Accepte juste qu'il te touche, ne serait-ce que pour une fois, s'il te plaît. Hein? Tout ira mieux, je te promets. Essaie juste de... Comment ne peut-elle pas comprendre ce que je lui dis? But then the past comes calling, catching up with you, catching up with you. Would you believe? Je vais le faire. Tu le feras? Bébé, est-ce que j'étais trop bien entendu? Juste une fois, Larry. Oui. Tu n'as pas l'idée de ce que tu viens de faire. Tu feras de nous des millionnaires. Mais je ne veux pas le faire chanter. Voyons, Stéphanie, nous avons déjà parlé de ça. Je ne me reconnais pas aller faire un acte sexuel avec un homme. Surtout pour aller faire chanter Chief. C'est un acte criminel. Cela est punissable. Mais je ne comprends pas. Comment es-tu censée avoir 2 millions auprès de cet homme? Je pars me sacrifier en lui donnant mon corps. Et? Je crois qu'il va aimer et il va te donner, mon frère, du boulot. Ça, c'est tout ce que je peux faire. Stéphanie. Larry, c'est juste ça ou rien du tout. Oh. Oui, j'arrive. Oui, viens, entre bébé. Comment vas-tu? As-tu réussi? Viens te mettre, mets-toi. Alors vas-y, dis-moi tout. As-tu réussi? J'ai parlé au chief à propos de toi. Il a dit que tu t'apprêtes à aller au bureau le lundi. Mm-hmm. Tu vois, je t'avais dit que c'est pas important de lui faire chanter. Erreur. Stéphanie, c'est pourquoi tu l'as mal compris. Tout ce que j'attends du chef, c'est plus qu'un boulot. Oui, je connais un mec dans l'hôtel par l'adresse que tu m'as envoyée. En tout cas, c'est un ami de date. Avec qui on a fait beaucoup de choses dans le passé. Oh, mon Dieu, Larry. Cette vidéo m'a été envoyée 1 minute avant que tu ne viennes ici. Larry. S'il te plaît, si tu m'aimes, ne fais pas ça, s'il te plaît. Stéphanie, si plutôt toi tu m'aimes, tu vas m'aider à faire ceci. Larry.
J'ai maintenant quelque chose de plus avec quoi être heureux. C'était très bon. Vraiment. Oh mon Dieu, parle de cette voiture. D'accord, monsieur. Ah, ah. Mais c'est quoi ça? Oh mon Dieu, Stéphanie, réponds à l'appel. Tu sais déjà qui c'est. Hein? Essaie de le mettre sous haut-parleur. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu as fait, Stéphanie? Salut, Chief. Tu sais ce qu'elle a exactement fait et tu sais exactement ce qu'elle fera avec. Qui est-ce que c'est? Chief, tu poses beaucoup de questions. J'ai juste deux choses à demander. Ou bien tu veux que la vidéo devienne virale? Je veux seulement parler à Stéphanie, elle-même. Chief? La vidéo pourrait devenir virale avant même que ce soit possible. Est-ce que tu sais que je connais où elle vit et que je peux vous trouver, vous aider et faire ce que je veux? Vas-y. Mais sois quand même rassuré. Et que la vidéo sera sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Sur Facebook, Instagram, Twitter, partout. Et le monde entier pourra voir et savoir quel âge tu es. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que tu veux? Merci, Chief. Allons droit au but. 10 millions de Naira. Seulement. Et je veux un haut grade dans ton entreprise. Ce n'est pas beaucoup demandé pour le frère de ta concubine. Il y a une branche de mon entreprise qui se trouve à Lagos. Et là-bas, nous avons le plus haut poste. C'est ça. Et tu vas m'envoyer ton CV pour ce poste. Un CV? Chief? Y a-t-il toujours besoin pour ça? C'est bien. Tu sais que j'étais toujours connu d'être une personne généreuse. C'est bon. Et pour le dépôt d'argent, j'aimerais que ça se fasse sur mon compte. Et ce qui est sûr, Stéphanie ici n'en a pas besoin, ok? Bye. Voyons. Ce n'est pas comme si j'ai tué cet homme. Non, 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 Larry. Ça, c'est pas juste. Ça, ce n'est pas moi. Et ce n'est non plus moi. Ceci est la bonne opportunité à saisir au bon moment. Tout ce que je fais, c'était ça. Mais Lagos, tu ne peux pas aller à Lagos. Pourquoi pas? Alors, tu veux aller à Lagos? Bien, je vais aller à Lagos et je vais installer une affaire. Et je vais m'assurer que nous ayons une bonne vie. Et quand je vais revenir, nous allons nous marier et puis je vais t'amener avec moi. Est-ce que c'est bon? Bonjour mon ange. Je t'appelle mon ange parce que tu es envoyé de Dieu. Je t'appelle envoyé de Dieu parce qu'il t'a envoyé dans ma vie pour la changer. Et deux fois Dieu envoie des gens dans ta vie pour changer ta vie.
mais pas seulement pour rester dans ta vie pour toujours. Stéphanie, merci pour toutes choses. Mais je suis désolé. C'est par ici que notre voyage prend fin. C'est quoi ça? Qu'est-ce que Larry est en train de dire? C'est une blague? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment il peut m'écrire comme ça? Non. Non. Non, 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 non. Il ne peut pas me faire ça. Non! Stéphanie, toi, tu leur as tout dit? Oui. Je crois qu'il nous a tout dit. Bébé, notre mariage est pour demain. Et j'ai déjà invité toute ma famille et mes amis. De quel stupide mariage parles-tu? Larry, quel stupide mariage parles-tu? Tout ce qui s'est rencontré ici après sa confession n'est que de mirage. C'était une manière de te garder jusqu'à ce que mon père va arriver. Henri, je pensais que tu étais mon ami. Alors que tu faisais partie de cet accord secret. Larry, je ne savais jamais que tu es si méchant. Oui. Est-ce que c'était déjà arrivé de penser comment ça pourrait être plus pur pour elle? Planifier les mariages de celui qui l'avait abandonné. Hein? Tu vois, c'est l'âge à qui tu veux te marier. Papa, si tu ne suivais pas toutes les filles d'Abuja, penses-tu qu'on aurait eu cette réunion aujourd'hui? Hein? C'est parce que tu ne répondais pas à mes appels que tu n'as pas pu réaliser que j'ai déjà changé depuis l'année passée. Toutes les choses négatives que tu entendras de moi maintenant sont ce que j'avais fait dans le passé. Tu sais, nous avons ces pressentiments de toujours prendre tout ce que nous voyons. C'était fou de ma part de croire que tu m'aimais. Tu m'as jamais aimé. Mais bien sûr. Ferme-la! Ferme ta putain de gueule! Donc comme ça, tu as piégé mon père et tu l'as fait chanter pour te donner un poste dans la compagnie. Et puis c'était maintenant moi ta cible. Moi aussi, j'étais ta seconde carte pour le sucer de l'argent, c'est ça? Donc, tu as gardé ton argent pour utiliser mon argent, mais sucer comme tu l'as fait avec mon père. Alors, Larry, tu l'as quitté pour moi. J'étais tellement prête de construire une famille avec toi. J'étais vraiment stupide. J'étais vraiment la plus stupide. C'est pas de ta faute. Tu as une bonne conscience de me réveiller au bon moment. Tu semblais être heureuse avec lui. Je voyais combien tu étais heureuse de te marier avec lui. Alors ça me faisait de la peine. Stéphanie, quand je t'ai vue pour la première fois, je pensais que je pouvais encore tomber amoureux. Et tu avais fait revenir en moi de mémoire de plaisir de la défunte mère de ma fille. Mais tu l'as fait perdre. Tu as tout fait perdre. Mais je te pardonne. Maintenant que j'arrive à réaliser que
tu ne fais pas partie de ces... de cette équipe qui a planifié de me faire chanter. Je suis vraiment désolée, Chief. Chief, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était le diable. Il y a quelques semaines, je commençais à réaliser tout ce que j'avais fait. Et je voulais changer. Pourquoi n'avais-tu pas l'intention de leur dire tout ce qui s'était passé? C'est le diable qui m'a fait chanter. N'est-ce pas ça? C'est toi le diable, pas toi, le diable. Écoute, Larry. Je suis venu pour faire ce que je devais faire depuis un long moment. Messieurs le diable, t'es récompensé pour ton simple chantage. Mais... Tu vas pourrir en prison. Je veux m'assurer que tu pourris en prison. Garde ta stupide bague. Tu vas mourir en prison. Viens là. Henri, je vais m'en sortir seule. Juste pars. Partir où? Tu sais que je ne peux pas vivre ici sans toi. D'ailleurs, nous avons encore beaucoup de choses que nous devons parler. Tu ne peux pas quitter comme ça. Henri, tu as entendu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie d'en parler encore. Et qui continue encore à parler de ça? Mais que veux-tu qu'on parle encore? Parler de toi et moi. Stéphanie, excuse-moi. Stéphanie, je peux imaginer le genre de traumatisme par lequel tu es passée. Moi aussi, je peux imaginer tout ce que je t'ai causé, Chief. Et je ne cesserai de le regretter. Bien, c'est bon. Je peux toujours te trouver un siège à côté lors de mon voyage pour Abuja, si ça t'intéresse. Ah. Peut-être que nous pourrions reprendre là où nous sommes arrêtés, si tu aimeras. Je suis contente pour les voyages. Merci. Bien. Viens, prendre mon sac. C'est bon. Ça n'ira pas entre toi et moi, Henri. Merci pour tout. Je suis vraiment désolée. Allons-y. Allez, bonne chance. Sometimes the past has a way of catching up with you at last. Sometimes it comes like a blast, a blast from the past. Just when you thought you left it all behind you. But then the past comes calling, catching up with you, catching up with you. Would you believe? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme
dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Catch up with you, would you believe it, if you were told, that your past will catch up with you, your past has caught up with you. After the scheming and scamming, you thought you'll get away with it. After the planning and plotting, you thought you've gotten away with it. Well, as it goes, if you commit the crime.